Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer une série de tutos. Si un sujet en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à demander. Je verrai ce qui est possible de faire. Il y a eu pas mal de turbulences sur les cryptos depuis notre dernier daily. Regardons comment notre floor price a évolué. Sur les communs, on a une légère baisse du tarif en dollars et un petit décalage entre les deux courbes. À surveiller dans les prochains jours, mais difficile de conclure tant que le marché ne sera pas plus stable. Les ANCO sont les plus stables de toutes les raretés. Sur les rares, on voit un décalage flagrant entre nos deux courbes et une petite correction de la hausse précédente. Mais rien de violent. On est revenu au prix d'il y a environ 5 jours. Est-ce que certains, parmi vous, ont fait un peu de bénéf pendant ces 5 jours? Les épiques sont en hausse malgré les perturbations. Les légendaires sont aussi en hausse, mais seulement en sol. On voit sur les légendaires un écart qui se creuse entre les deux courbes. Je viens de commencer un suivi des accessoires. Je relève tous les jours les valeurs mini que je vois. Ensuite, dans le graphe, je vais suivre la plus petite valeur de tous les accessoires confondus, ce qui me montrera le floor price. Souvent, on se moque de quel accessoire on achète. La moyenne des mini, ça nous permettra de voir la tendance globale. Et le max des mini, qui n'apporte malheureusement pas beaucoup d'informations en dehors de surveiller s'il y a une raréfaction d'un type d'accessoire. Je pense que je vous l'afficherai uniquement lorsqu'il y aura du mouvement. Le ROI sur les 4 est stable, la valeur mini de en Walken n'ayant pas bougé. Le ROI sur les accessoires, suivant mon calcul, vient de dépasser les 700 jours. Je me demande si je suis dans le vrai avec mon calcul ou non. Vous en pensez quoi? Concernant les news, Walken a fait un sondage pour une troisième session de lootbox. Personnellement, j'espère qu'ils n'en feront pas. Ça risquerait de ne pas être bon pour le floor price. J'espère que ça vous a plu, on n'oublie pas de like et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait.